អង្គជោះបាទអង្គមេបកាបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាហើយនឹងផ្ដល់វិធីការជូនទៅក្រុមសាភិយាដើម្បីបន្តការតាំងសម្រុតនៃដល់ចំពោះសាក់សីសូមអញ្ជើញ Mun pay some rat, mind mining, can I ban put two on pee pine car that get out? Jung time to home gang in and tire on the tool ban the bob chung hand cook crawn night day. But don't you feel done well, man? អត់ឆ្លៃណែបាទជីវភាពដល់មិនឆ្លៃទេព្រោះកម្លាំងច្រើនជាជីវភាពជីវភាពទីជាងកម្លាំងធ្វើកាយច្រើនជីវភាពតិចណាក្នុងកម្រិតដូចមិនដាច់ដែរព្រះអង្គមានធរណតិការថាមិនអាចអធិប្បាយបាននឹងតើមានន័យថាមិនដាច់ដែរដូចមិនដាច់ដែរ Men for my nook, pull a cam churn, a panta dashi, peer but tight. Ah, Mella bomb, nung pull a cam nag, he peerna, pun at mort tassu. The way the machine wet. Chokal, cast a minor net to moon. ដែលព្រះអង្គបានជួបប្រទេសហ្នឹងតើអ្នកជំងឺអាចទទួលរបបអាហារដែរឬទេគឺចៃឲ្យតាមអ្នកជំងឺដែលតាមផ្ទះគេឲ្យចៃឲ្យបងឲ្យចៃដូចជាពុកធំមកហ្នឹងគេចៃបាយពួកអ្នកជំងឺអត់មានធ្វើការអីគេឲ្យមកវិញអីដល់ ពួកគ្នាអញ្ចឹងនឹងជំងឺនៅផ្ទះតាមពេទ្យផ្សេងសូមគ្រប់អង្គជួលម្រះខ្ញុំបានសូមបញ្ចប់កម្រងសំណួរខ្ញុំត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយទុកលទ្ធភាពជូនទៅខាងលោកសាភិញ្ញារងអន្តរជាតិស៊ូបន្តបាទ Merci, Monsieur le Président. Rebonjour à tous. Monsieur le témoin, je vais vous poser des questions supplémentaires concernant ce que vous avez vécu, essentiellement dans le district de Tram Kak. Et je vais revenir tout à l'heure à ce qui s'est passé dans la pagode de Hang Roka. Monsieur le Président, pour être tout à fait clair sur nos intentions, nous avons commencé à 9h30. Je demanderai de pouvoir aller jusqu'à 11h30. Les parties civiles ayant relativement peu de questions, elles pourraient les poser au début d'après-midi si cela convient à la Chambre. Voilà, je vais d'abord poursuivre là où mon confrère s'était arrêté concernant vos travaux de creusement de canaux à Tram Kak. Et vous avez dit que vous avez parlé des gens qui tombaient malades. Et vous avez dit tout à l'heure que vous étiez considéré comme une personne du 17 avril. Est-ce que l'unité dans laquelle vous travaillez était constituée uniquement de personnes du 17 avril? Est-ce que vous avez pu remarquer si ces gens de la base
travaillaient aux mêmes endroits que vous? Est-ce qu'ils mangeaient aux mêmes endroits que vous? Est-ce que dans ce district de Taramka, qu'est-ce que vous avez remarqué des différences de traitement entre les gens du 17 avril et les gens du peuple de base en termes d'alimentation, de travail ou de logement? Je crois que je vais répéter la question qui était de savoir si entre ces deux groupes, peuple de base d'un côté, peuple du 17 avril de l'autre, est-ce qu'il y avait des différences de traitement? Est-ce que, par exemple, vous receviez la même chose à manger? Est-ce que vous logiez aux mêmes endroits? Est-ce que vous étiez traité de la même façon que les gens du peuple de base? Vous dites que le peuple de base vous supervisait. Est-ce qu'il y a eu, à ce moment-là, des gens qui ont été maltraités parmi le peuple du 17 avril? Est-ce que vous avez vu des gens être emmenés ou disparaître lorsque vous étiez à travailler dans le district de Tramkak? Merci. Monsieur le témoin, vous parlez de certaines disparitions. Étaient-elles fréquentes et est-ce que vous pourriez nous donner les noms de certaines personnes qui ont disparu, que vous connaissiez? Je ne suis pas sûr que
On se soit bien entendu, je ne sais pas si c'est un problème de traduction. Vous venez de dire que certaines personnes avaient disparu pour être emmenées et être rééduquées. Je voudrais vous lire un extrait de votre procès-verbal d'audition devant les juges d'instruction, le numéro E3-5133. À la page 5 en français, au numéro 00-70-23-36. En anglais, à la page 4-00-22-32-00. Et en khmer, page 4-00-16-52-61. Voilà ce que vous avez dit aux enquêteurs des juges d'instruction. Je cite, « J'ai rencontré Nok Nem et sa femme, Kim Nova, et nous avons travaillé ensemble. Par la suite, l'Ankar a proposé à ce couple et à leur fille de les emmener. Depuis, ces gens ont disparu pour toujours. » Fin de citation. Pourriez-vous nous raconter ce qui s'est passé exactement avec Nok Nem et Kim Nova, et pouvez-vous nous dire de qui il s'agissait exactement? ตําราปอเนี่ยตะปีนี้กัดมาร่มเป็งกัดอุปถัมภ์กัดมาบ่ถ้ามาดอลเปิลตําดาบ้านมอนนั้นก็มาชูគ្នានៅอาการนั้นเลิกปลายนบนูนั้นบ่เลิกปลายทางกัดอาการนั้นมันบ่าเคยสนอสมเนี่ยตะปีนั้นให้นึงโกนใส่บุยนั้นบัดเต้านั้นตัวนาดอกเด้าปาละโหดบ่ก็ประมาณดังได้ Quand vous dites qu'Ankar leur a proposé de les emmener, est-ce que, selon vous, ils avaient le choix de partir ou bien étaient-ils obligés? Justement, concernant leur passé, saviez-vous quelle profession avaient Nok Nem et Kim Nova avant l'arrivée des Khmer Rouges? Très bien, merci. Je voudrais vous demander poser deux questions concernant les prisons. Est-ce que vous avez entendu parler d'une prison qui était située à Angroka au moment où vous étiez sur place? Est-ce que vous avez entendu parler d'une prison des Khmer Rouges à Angroka? Est-ce que vous avez entendu parler d'un notre centre de sécurité situé à Krang Tachan, toujours dans le district de Tramkot? Le gitar, on a dit qu'on a dit
Qu'avez-vous entendu dire à propos de Krang Dachan? Est-ce que vous saviez exactement ce que c'était et ce qui arrivait aux gens qui étaient envoyés sur place? Est-ce que durant la période où vous avez travaillé toujours dans le district de Kramka, est-ce que vous avez entendu ce qui arrivait aux gens qui étaient identifiés comme les fonctionnaires du régime de Lon Nol ou comme soldats ou officiers de ce même régime? ในสการะบบลนนลปัญหานะบ่ปัญหานะก็สบายแต่ครูก็มีเรื่องได้บ่ลิเตียนนั้นบ่มันคือซ่อมมาให้ซ่อมมาตัวนั้นอยู่ต่อยนาได้ซ่อมมาเต็มดังต่อยนาบ่นํามาดังได้แค่ซ่อมซ่อมยัว Vous dites qu'ils étaient visés, mais comment est-ce que les Khmer Rouges pouvaient savoir, pouvaient les identifier en tant que fonctionnaires ou en tant qu'anciens soldats du régime de Lon Nol? Comment les Khmer Rouges faisaient-ils pour les identifier, pour les chercher? ជំនាន់ໄຊນຸជំនាន់ລົນນົນອີ່ນັ້ນອົງການຕົກການຍໍຕໍ່ຖືການລະໄວ້ບໍ່ລະຄວາຫນະຖືການຊື່ງີ້ລະໃຫ້ມັນບານດັງເຮືອງປຶດກໍບັນຈິງອອກໃຫ້ດັງອໍເດົາອອກໃຫ້ດັງເນາະຄວາກໍດັງລະກໍມັນແລ້ວລະກໍມັນບັນຈິງແລ້ວລະກໍບໍ່ຈິງອອກໃຫ້ດັງເນາະນຳຈິງກໍບານເນົາເດີ້ນາບໍ່ຈິງເດີ້ກໍບາດເດົາ Vous qui êtes moine bouddhiste, est-ce que vous savez ce qui est arrivé à l'époque à la pagode de Bat Champa Leuk? Champa, C-H-A-M-P-A, Leuk, L-E-U-K, dans le district de Tramkok, après la prise de pouvoir des Khmer Rouges. Est-ce que vous en avez entendu parler à l'époque? Est-ce que dans votre village, dans votre unité ou dans votre commune, est-ce que vous avez jamais rencontré des gens qui travaillaient là-bas, qui étaient originaires du Kampuchea Krom, qui parlaient avec un accent? Est-ce que durant la période où vous êtes resté à Wat Angroka, puis
durant laquelle vous avez travaillé dans le district de Tram 4, est-ce que de hauts dirigeants, des dirigeants à l'échelle du district, du secteur, de la zone, du centre, sont venus visiter l'endroit où vous travaillez? D'accord. Je voudrais maintenant revenir à la réunion dont vous avez parlé à Angroka, durant laquelle on vous a remis des vêtements et où on vous a dit que vous deviez être défroqué. Vous avez dit que la personne qui présidait la réunion était venue accompagnée de miliciens. Est-ce qu'il y avait parmi eux des miliciens armés? Merci. À Angroka, à votre connaissance, y a-t-il eu une seule réunion durant laquelle on a dit aux moines de se défroquer ou y en a-t-il eu plusieurs à différentes périodes? Je voudrais lire un passage de votre procès-verbal d'audition et vous demander si c'est à Angroka qu'on vous a dit cela. Il s'agit d'un passage situé, donc toujours le numéro E3-5133. En français, c'est la page 5-0070-2336. En anglais, page 5-0022-3201. Et en Khmer, page 5 aussi, 0016-52-62. Et c'est un passage où vous dites avoir rencontré un moine plus tard, du côté de Kampot, à Damnak Trayon, et vous lui avez parlé du contenu de certaines réunions. Alors je cite, le moine vous demande de quoi a parlé l'Ankar à la réunion. Voilà ce que vous avez répondu. Je lui ai répondu qu'elle nous convoquait très souvent aux réunions au cours desquelles elle se moquait de nous. Et un passage entre guillemets, donc ce que les Khmer Rouge disaient, depuis des milliers d'années, les moines sont des vers et des sangsues. Les fous sont au sommet, les imbéciles en bas. Fin de citation. Est-ce que c'est cette citation-là, depuis des milliers d'années, les moines sont des vers et des sangsues. Est-ce que c'est à Angroka que vous avez entendu cela ou également à d'autres endroits? ដល់ស្មាតទៅនៅកពុទ្ធអត់ទេបងតោតាវត្តស្មាតហ្នឹងលោកមិនតន់ចាក់ទេថាបតទេដល់ស្មាគេតែងហៅប្រជុំហើយគេលើកឡើងជាញឹកញាប់ណាហឺហ្នឹងអាចសម្គួតនៅលើហ្នឹងក៏មិនអីជាលើលេងអីសបសារទៅហ្នឹងដល់ហើយស្មាតែទៅទូលលោកថាទៅគុណអើយយើងមិនអាចនៅបានទេពួកកណាទៅប្រជុំវាដាក់ផែនការធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងទៅគុណនៅមិនបានទេបាទ
Merci, mais est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment on vous a dit que les moines étaient considérés comme des vers ou des sangsues? Et qui vous l'a dit? Merci. Je voudrais vous lire un extrait d'un procès-verbal d'une autre personne. Je ne vais pas pouvoir donner son nom. Il s'agit de la personne qui a le pseudonyme de TCW 847. C'est un passage où il est question également d'une réunion à Angroka où les moines ont été demandés de se défroquer. Il s'agit du document E319.1.3.3. Le passage pertinent que je vais lire se trouve à l'attention des parties aux réponses, questions et réponses 146 à 155. Alors, je vais lire ces extraits et j'aurai quelques questions à vous poser ensuite. Question 146. Qu'est-ce qui est arrivé aux moines bouddhistes après la libération du 17 avril 1975? Réponse de l'autre témoin. J'ai vu qu'ils défroquaient les moines. Question. Où et quand avez-vous vu ce phénomène? Réponse 147. J'ai vu cela dans la pagode de Angroka, district de Tramkak, vers la fin de 1975. Comment les moines ont-ils été défroqués? Réponse 148. Les Khmers rouges ont fait une réunion durant laquelle ils ont alors défroqué 30 ou 40 moines. Qui est-ce qui a dirigé cette réunion? Réponse 149. C'était un enfant de Tamok, chef de district, qui a dirigé cette réunion. Comment s'appelait-il? Réponse 150. Son enfant s'appelait Khom. K-H-O-M. C'était une femme qui était le premier chef du district de Tramkak. Elle avait occupé ce poste avant même le chef de district Chum. Comme était la femme de Tamut, qui était chef de la division 2. Question. Comment se fait-il que vous soyez au courant de l'abandon du froc des moines bouddhiques? Réponse 151. Je devais porter des lettres là-bas et j'ai vu qu'ils étaient en train de défroquer des moines. Qu'est-ce que vous voulez dire par « en train de défroquer des moines » Réponse 152. Ils ont déclaré qu'ils n'avaient plus besoin de moines. Ils ont préparé un ensemble de vêtements de couleur noire pour les moines défroqués. Enfin, ils n'ont pas fait ce processus selon les rites religieux. Question, est-ce qu'il y avait des moines qui ont contesté ou refusé de quitter le froc? Réponse 153, personne n'a osé protester. Je vais m'arrêter là. Voilà ce que dit un autre témoin à propos d'une réunion à la pagode de Angroka. Est-ce que, monsieur le témoin, vous confirmez, vous nous avez dit que la réunion avait eu lieu, je crois, en 1976. Ici, l'autre témoin parle de fin 1975. Que pensez-vous de cela? Est-ce que vous confirmez que c'était bien en 76 ou bien est-ce que ça pouvait aussi être fin 75? Bon,
Merci. Ce témoin parle d'une femme qui présidait la réunion, qui était chef du district de Tram 4, du nom de Khom, K-H-O-M, enfant de Tamok. Est-ce que vous avez jamais entendu son nom ou vu cette personne lors de cette réunion à Angroka? Le témoin a parlé d'environ 30 ou 40 moines qui auraient été, qu'il était demandé d'être défroqué en même temps. Pourriez-vous nous dire à cette réunion à Angroka combien de moines étaient concernés par cette mesure? Combien de moines se trouvaient dans la pagode au moment où on vous a demandé d'être défroqué? Donc vous ne pouvez pas estimer le nombre, si j'ai bien compris, de moines qui étaient concernés, parce que c'était quelques moines ou quelques dizaines, une centaine ou plus. Merci. Est-ce que vous avez entendu parler d'un moine qui s'appelait Ta Ik? Je prononce très mal, donc je vais essayer. I-C-H, qui aurait été le chef d'une pagode à Tram 4. Savez-vous ce qui lui est arrivé et s'il a protesté contre les ordres donnés aux moines? Merci. Je voudrais lire un extrait d'un autre témoignage. Il s'agit d'une personne qui a déjà témoigné devant cette chambre dans le dossier 2.1 et qui parle de cette réunion à Wat Angroka. Il s'agit de Kyo Neu, qui a témoigné en audience publique du 20 juin 2012. Et la première référence est E1-89.1. Il a dit ceci à peu près à 15h32. Les moines venus de Phnom Penh et de Takeo se sont rassemblés. Nous avons appris que l'encart nous ordonnait de quitter la ville. C'est ce que nous avons fait. Mais je ne me souviens pas de la date. C'était après avril 75. Fin de citation. Un peu plus tard, à 15h51, il a dit: les moines, et bien comme je l'ai dit tout à l'heure, ils venaient de Takeo et de Phnom Penh. Ils se sont rassemblés à la pagode d'Angroka. J'y étais aussi, j'ai quitté l'habit. J'ai été défroqué plutôt. J'ai quitté l'habit avec d'autres. Fin de citation. Le lendemain, document E1-90.1,
Après 9h09, Kyu Neo poursuit et dit ceci. À cette époque, on nous a dit que l'Ankar nous avait demandé d'aller à la pagode d'Anroka. Et plus tard, savez-vous qui a fait venir ces moines à Anroka? Est-ce qu'ils sont venus de leur propre chef ou leur a-t-on dit qu'ils devaient y aller? Réponse. Je ne connaissais pas les détails de cette question. Lorsque nous discutions entre nous, nous nous sommes rendus compte que nous avions que l'Ankar nous avait tous dit que nous devions nous rendre à la pagode d'Anroka. Et à 9h24, il a dit, je n'ai remarqué aucun moine de haut rang ou novice refuser de se défroquer. Est-ce que vous connaissez ce moine qui s'appelle Kyu Neo? Est-ce que vous l'auriez rencontré dans la pagode d'Anroka à l'époque où vous y étiez? J'attends la traduction de la dernière partie que je n'ai pas reçue. Est-ce que vous pourriez répéter, monsieur le témoin, la toute dernière phrase que vous avez dite? Vous avez dit qu'il y en a eu témoin et qu'il était dans une pagode à Phnom Penh et vous avez rajouté quelque chose. Merci. De son témoignage, il ressort que les moines de Takeo et venant de Phnom Penh n'étaient pas à Anroka par hasard, mais plutôt que les Khmer Rouges leur avaient dit de s'y rassembler. Vous m'avez parlé tout à l'heure, est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur ce point? Est-ce qu'à un moment donné, les Khmer Rouges vous ont orienté vers cette pagode précisément? Lorsque vous avez reçu l'ordre de quitter l'habit, a-t-il été facile pour le moine que vous étiez de suivre les ordres des Khmer Rouges? Est-ce que vous avez été tenté de désobéir et qu'est-ce qui vous a empêché de désobéir? ចិត្តបាក់សូមជម្រាបពីរឿងចាសិកាបទនេះបើសងនឹងអមមិនហ៊ានមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានទេដោយចាស់ទុំខ្លះគាត់ថាព្រះអង្គអើយនៅប្រមាណទេព្រោះកណានមូលដ្ឋានយីហាត់ឡើងហើយព្រះអង្គគេឲ្យធ្វើអីធ្វើតាមគីទៅដល់បានសុខ Mais de quoi aviez-vous peur exactement à ce moment-là? Merci. Je voudrais maintenant passer à la période qui suit, lorsque vous êtes allé à Kampot, au monastère de Damnak Trayung. Tout à l'heure, vous en avez déjà parlé.
et vous aviez rencontré un moine qui se trouvait sur place. Quand vous êtes arrivé à ce monastère, est-ce que la pagode de Damnak Trayung était encore utilisée par les moines ou les bouddhistes pratiquants, ou bien les Khmer Rouges avaient-ils réservé un autre usage à ce monastère? Qu'est-il arrivé aux moines qui résidaient sur place? Est-ce que vous avez appris, après l'avoir quitté ce monastère, ce qui est arrivé aux derniers moines sur place? Pourriez-vous nous donner le nom de ce vénérable qui avait refusé de quitter l'habit de moine? Et quelle était sa fonction dans la pagode de Damnak Trayung? Est-ce que vous avez appris pourquoi il avait disparu et, le cas échéant, quelle faute il aurait commise? À part le vénérable Sai, est-ce qu'il y a eu d'autres moines de la pagode de Damnak Trayung qui sont morts sous le régime des Khmer Rouges? Je voudrais maintenant vous poser juste une question concernant la pagode de Chum Kril à Kampot, toujours. Avez-vous appris à un moment donné, même après le régime, à quoi avait servi la pagode de Chum Kril pendant le régime des Khmer Rouges? มาดังในศาสตร์มา 78 88 ปัดเนาะเนาะกระปวดเด้ 86 ตะนุกระปวดนําบ้านระวัดจงเฮียนนําบ้านเคยสัญญาเปดเคยมติเปดได้บ้านสู้จ้าตุ้มตกกับพระสักหลายนี้ชื่ออะไรเปดเฟรมบัลพอก็เฟรมบัลนึกอะไรนึกอะไรมูลฐานบ่ใส่บัลเด้
Vous avez travaillé à Chum Kril, si j'ai bien compris, après le régime. Est-ce que vous avez vu des moines, d'anciens moines de Chum Kril, revenir à la pagode après la chute du régime des Khmer Rouges? បុហើយនាំ88បុហើយបាត់បុយទៅទុំខៀលអត់មានឃើញបើសង់ដែលនៅស្រុកបបនូនមកអត់មានបាត់អស់ហើយសួរចាស់ទុំមកសនាទៅបាឃើញមានមកទៅថាទេម្ដងនេះបែរស្រុកអស់ហើយយ៉ាងឃើញមកបួយយ៉ាង Je vais terminer, monsieur le témoin, par quelques questions plus générales concernant le bouddhisme sous le régime des Khmer Rouges. Vous avez dit devant les personnes que vous interrogez du centre de documentation du Cambodge, vous avez dit qu'un moine avait été tué dans le district de Samrong à Takeo, pour être aussi la commune de Samrong à Takeo. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous savez à ce propos-là? ប្រសងដែលសុគតនៅវត្តអង្គប្រៃឃុំសំរោងនេះអាត្មាមិនបានឃើញផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុនមិត្តអាត្មានៅដឹងនៅនោះដែរបុរិគ្នាហើយបានអជុគ្នាប្រាប់ថាអេមិនក៏ដែរលោកវើយគេថាហៅណាស់មិនស្គាល់បើសងមិនស្គាល់បើសក់ទេអត់ដឹងដំណោះគេវាចោលហើយបាទវាចោលហើយឡើងវាបានសួរថាណាណាវៃ អង្គការគេវាចោលហើយមើលអង្គដែរលោកដឹងលោកគ្រូលោកប្រឆាំងនឹងអង្គការគេវាចោលហើយកប់នៅបែរវត្តហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងមិត្តភក្តិរបស់អាត្មាដែលរៀនសូត្របុគ្គលនេះបាទប្រាប់បានប្រាប់គេថាឡើយកុំមានទំនាស់អីជាមួយអង្គការឯងសោះប្រើស្អីឲ្យធ្វើទៅអត់ធ្មត់ទៅហើយបានទេតែហ៊ានតែដំណោះអង្គការគឺអង្គការវាចោលហើយ Est-ce que vous connaissez des exemples au Cambodge de moines qui auraient continué à porter la robe, à pratiquer le culte bouddhique et à vivre dans une pagode durant la période 1976 à 1979? Est-ce que vous en avez rencontré, par exemple, après 1979? ជាលោកតដែលនៅគង់ក្នុងវត្តតដែលអត់មានបញ្ហាឯកើតឡើងចំពោះគាត់ទេតើមានករណីនឹងកើតឡើងទេបងចម្រើនពពាក្យនេះມັນសំស្របទេសម័យ3 ឆ្នាំ 3 ខែ 2 ថ្ងៃនេះពពអ្នកបួសពុទ្ធសាសនាມັນមានសេះសល់ទេមានអង្គណាម្នាក់ហើយលក្ខខណ្ឌពួតអាត្មាជាភេទអ្នកបួសអត់មានទេបងអត់មានទេគឺត្រូវតែចាក់សិក្ខាបទ បញ្ចេញពលកម្មអស់គ្នាចាស់ធ្វើតាមចាស់បីធ្វើតាមក្មេងបាទចាស់ធ្វើអីមិនកើតក៏ធ្វើបគីពីខ្សែដែរបាទយាយៗបើក្មេងឲ្យគេដែរបាទយុវជនមិនក្មេងយុវជនដល់ពលកម្មនេះតំណៈតំណេអត់មានទេហើយអ្នកបឡំខ្លួនថានៅបួនអត់មានទេទេគឺសូនណាថ្ងៃនេះសូនតង់ប្រទេសបាទតាមមកដឹង Est-ce que lors des réunions dans le district de Tramkak, les cadres Khmer Rouges vous ont dit explicitement que la religion
bouddhiste était aboli, n'existait plus. ចំណានពកគោលការណ៍របស់គេហ្នឹងប្រដាថាពុទ្ធសាសនាអស់មានហើយនៅកម្ពុជាបងធម្មរាជមន្តនេះសាសនាអីបាទទេនិយាយចេះព្រមមនុស្សទំនេរវិសានទំនេរអត់កាំងយេធ្វើដេកស្គៀមអីស្គៀមអត់គេចិញ្ចឹមបើចឹងបបធរហ្នឹងអត់មានទេអត់មានទេបបធរស្គៀមទៅអត់មានទេមានបបធរបំពេញពលកម្មគូទៅនឹងមាន Merci. J'ai une dernière question, vénérable. Il s'agit de la suivante. Vous nous avez parlé des pagodes de Angroka dans le district de Trangkak, de celle de Damnak Trayung à Kampot, de celle de Chumkril à Kampot également. Est-ce que vous avez vu ou entendu durant le régime des Khmer Rouges quels étaient les usages réservés à d'autres pagodes à Takeo ou à Kampot? À quoi servaient les pagodes sous le régime des Khmer Rouges si le bouddhisme n'existait plus? ខ្ញុំបានពោពាក្យចានទៅគុកដាក់ទៅបាទពាក្យចានធ្វើធ្វើគុកបងថាវាធ្វើគុក vừa chọn chăng song khang vậy đặt đây bộ hốt anh đã sau loại chương bị chán vò bị chán cúc miền tây tây để thôi tung chúc miền tây tây tung chúc bị chán từ từ rồi cơ cúc à đó nặn là tô Dernière question de suivi, alors, vous avez parlé de temples transformés en prison. Est-ce que vous vous souvenez de nom de certains de ces pagodes transformées en prison? ពួកវត្តបិសួលជាងផ្ទះវត្តចានធ្វើពីតង់ចោះជាងចោះប្រហោងប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងដៃប៉ុណ្ណឹងដៃ20លីហ្នឹងបាទ20លីប៉ុនមីជើងអានោះធ្វើធ្វើអនុកហើយនិយាយទៅដាក់នោះតាមួយទេបាទឃើញច្រើនទៅក៏ពួតក៏មានដែរក៏ពួតពងតឡាយបាទនៅអង្គរជ័យវត្តជាទៀលគឺមានសិតទាំងអស់ Très bien, je vous remercie infiniment pour toutes vos réponses et votre patience. Et j'en ai terminé, Monsieur le Président. បាទអរគុណហើយមុននឹងសម្រាប់សំសួរទៅក្រុមមេធាវីនាំមុខកំណាងដើមនឹងរំលីទៅក្នុងចំណាយពេលត្រូវការពេលវេលាប្រមាណក្នុងការសួរបរិយាជនឯងភឿង Merci, Monsieur le Président. Nous aurions besoin de 30 minutes, ce qui nous permettrait de rattraper le retard que nous avions pris ce matin. Mr. President, I think we can finish this afternoon. លោកប្រធានខ្ញុំគិតថាក្រុមយើងខ្ញុំអាចបញ្ចប់នៅថ្ងៃរសៀលនេះបានល្ងាចនេះបាន។បាទហើយដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការស្ដាប់សេចក្តីកម្មរបស់ប្រជាជនឯកភឿងនឹងបានចប់សពគ្រប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះ
ចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញឲ្យបានមុនម៉ោង 1:20 សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រុមឈរ